Bonsoir à tous, bienvenue sur votre émission Réveillez-vous. Vous êtes sur la chaîne Réveil TV. En tout cas, bonsoir ou bonjour, peu importe l'heure à laquelle vous nous regardez. Donc, je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'accorde encore aujourd'hui d'être là, de pouvoir partager la parole, d'être en vie, hein, parce que vous savez, les temps dans lesquels nous sommes, on enregistre énormément de décès. Pas au Gabon, mais dans d'autres pays, par la grâce du Seigneur, le Seigneur garde le Gabon comme il garde les autres pays, parce qu'on croit que si le Seigneur n'avait pas étendu sa main, les choses auraient pu être pires. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et pour la vie qu'il nous donne. Donc nous sommes aujourd'hui lundi 13 avril 2020 et nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Yahushua. Donc sans plus tarder, nous allons prier pour présenter ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour tout ce que tu fais qui est merveilleux, magnifique. Nous t'aimons, Seigneur, et nous nous confions à toi. Prends le contrôle de ces moments. Que toi seul sois glorifié au nom de Yahushua. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, parents, vous qui nous regardez depuis la maison. Donc, aujourd'hui, nous sommes lundi de Pâques. Lundi de Pâques, et comme on a pu l'annoncer voilà, dans la bande-annonce, vous avez pu constater on a eu à cœur aujourd'hui de faire une émission sur la Pâque. Et comme vous avez pu le constater, nous avons expressément mis la Pâque sans S. Voilà, parce que pour ceux qui font attention, vous pouvez remarquer que Pâque s'écrit de deux façons, Pâque avec S et Pâque sans S. Et d'ailleurs, si l'équipe technique peut nous trouver justement, je crois qu'il y a un article qu'on avait déjà préparé sur Wikipédia. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, pourquoi il y a Pâques sans S et Pâques avec S? On aura l'occasion de lire l'article tout à l'heure pour soutenir ce que je vais dire. Parce que tout simplement, il existe deux traditions de Pâques. Une tradition dite juive et une tradition dite chrétienne. Voilà. Et la Pâques chrétienne, la Pâques qui est fêtée par les chrétiens, c'est la Pâques avec S, pour la distinguer de la Pâque juive qui s'écrit sans S. Voilà, donc avant de rentrer dans tous ces détails-là, de la Pâque juive, la Pâque chrétienne et tout le reste, il est important qu'on reparte à l'origine d'abord des choses pour mieux comprendre, mieux cerner d'où vient justement la chose. Voilà, donc sans plus tarder, on va prendre un passage, Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. On va lire à partir du verset premier pour mieux cerner le sens. Donc, si l'équipe technique peut nous aider. Exode chapitre 12. Voilà. Magnifique. Merci. Or, Yahweh parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en disant: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Non, vous pouvez réduire un tout petit peu encore, légèrement. Voilà, ok, merci, c'est bon comme ça. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant: le dixième jour de ce mois, que chaque homme prenne, le dixième jour de ce mois, que chaque homme prenne un agneau ou un chevreau par maison de père, un agneau ou un chevreau par maison. Mais si la maison est trop petite pour un agneau, on le prendra avec le voisin le plus proche de sa maison, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau selon que chacun peut manger. Ce sera un agneau ou un chevreau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux soirs. Alors retenez bien cette expression, entre les deux soirs. L'égorgera entre les deux soirs. Et ils prendront de son sang et le mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, et où ils le mangeront. Et ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Cette nuit-là, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. N'en mangez rien de cru, ni qui n'ait été bouillé dans l'eau, mais rôti au feu, sa tête, ses jambes et ses entrailles. Et ne laissez aucun reste jusqu'au matin, mais s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu et vous le mangerez ainsi. Vos reins seront sains. Vous aurez vos sandales à vos pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahweh. Alors, donc ici, on a la première mention du mot Pâques,
qui apparaît dans les Écritures. Et pour le contexte, pour ceux qui ne le savent pas et pour les lecteurs de la Bible, il s'agit ici du peuple d'Israël, d'accord, qui était sorti de la captivité, par la main de Yahweh, après justement la célébration de cette Pâque. Voilà, parce que ce qui s'était passé, c'est que le peuple d'Israël était parti en captivité pendant 430 ans en Égypte, selon la prophétie que le Seigneur va donner à Abraham. Et il fallait que le Seigneur suscite un libérateur qui était Moïse, pour sortir le peuple. Et quand le Seigneur va susciter Moïse pour sortir le peuple, Pharaon va résister. Et le Seigneur lui dit que c'est à la dixième plaie, donc la perte des premiers-nés, justement, qui viendra le jour de la Pâque, en fait. Donc le Seigneur va demander à ce que la Pâque soit donnée, soit immolée, afin que le sang soit pris et mis sur les linteaux des portes des Hébreux, afin que lorsque la mort devait frapper, lorsque le destructeur devait passer, il devait identifier, ça devait être comme un signe d'appartenance à Yahweh. Donc la première mention du mot Pâque apparaît là à cette époque, en fait, à cette époque. Et c'est quand on a cette mention que, justement, le Seigneur va donner des ordonnances en rapport avec la Pâque. Donc, frères et sœurs, nous constatons que le mot Pâque, d'accord, est un mot qui a été utilisé la première fois, comme on l'a dit, dans le livre d'Exode. Et par la suite, on peut revenir sur le passage d'Exode, avant de changer de passage, sur le passage d'Exode. Si on peut revenir sur le passage sur lequel on était. Voilà, on va descendre un tout petit peu. On peut garder le passage à l'écran et on descend. On descend encore. On peut descendre. Descendons. OK, on descend. OK, on descend. On descend encore. On descend, on peut descendre, on peut descendre. Non, pardon, on va remonter légèrement. On va remonter, désolé, on va remonter. Remontons encore jusqu'au verset. Voilà, remontons jusqu'au verset 20. Très bien. OK. On va lire à partir du verset 23. Merci. Car Yahweh passera pour frapper l'Égypte et il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. Et Yahweh passera par-dessus la porte et ne permettra pas que le destructeur entre dans vos maisons pour frapper. Vous garderez ceci comme une ordonnance perpétuelle pour toi et pour tes fils. Et quand vous serez entrés dans le pays que Yahweh vous donnera, comme il l'a dit, vous observerez ce service. Et quand vos fils vous diront, que signifie pour vous ce service? Quand vos fils, donc les fils de qui? Des Juifs, vous diront que signifie pour vous ce service, alors vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque pour Yahweh qui passa en Égypte par-dessus les maisons des enfants d'Israël quand il frappa l'Égypte et qu'il préserva nos maisons. Alors le peuple s'inclina et se prosterna. Ainsi les enfants d'Israël s'en allèrent et firent comme Yahweh l'ordonna à Moshe et à Aaron. Donc ici on constate que l'ordonnance de la Pâque a été donnée aux Juifs. Donc, l'ordonnance telle qu'elle devrait être célébrée parmi les sept fêtes de Yahweh a été donnée aux Juifs. Elle n'a pas été donnée aux nations. On peut faire le constat dans ce passage. Mais, comme les Écritures s'expliquent d'elles-mêmes, on va pouvoir prendre d'autres passages. Alors, on va prendre Lévitique verset 23. Lévitique 23. Lévitique chapitre 23 nous parle des sept fêtes de Yahweh. Voilà, à partir du premier verset, on va prendre à partir du premier verset pour que les frères et sœurs qui nous suivent puissent mieux cerner le contexte. Merci l'équipe. Yahweh parla à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, les fêtes solennelles de Yahweh que vous publierez seront des saintes convocations. » Quand on dit saintes convocations, il s'agit des fêtes qui sont des Shabbats. D'accord? Et on le voit plus loin. Donc, quand vous voyez des saintes convocations, ça voulait dire que le peuple devait arrêter de travailler pendant ces fêtes. Et pendant les sept fêtes de Yahweh, ces sept fêtes-là étaient des Shabbats. Et notamment, parmi elles, il y en avait quatre pour lesquelles les enfants d'Israël avaient l'obligation de monter à Jérusalem
Vous avez notamment la Pâque, vous avez la Pentecôte, vous avez la fête des tabernacles et vous avez la fête du Yom Kippour. Ce sont les quatre fêtes pour lesquelles les enfants d'Israël avaient l'obligation de monter à Jérusalem parce qu'ils devaient obligatoirement y aller. Voilà. Donc, on était au verset 2. Verset 2, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, les fêtes solennelles de Yahweh que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes solennelles. On travaillera 6 jours. Mais le septième jour, qui est le Shabbat, le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail, car c'est le Shabbat de Yahweh pour toutes vos demeures. Donc, comme on expliquait au passage, toutes les fêtes étaient des Shabbats. Verset 4. Voici les fêtes solennelles de Yahweh qui seront des saintes convocations que vous publierez en leur saison. Au premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de Yahweh. Au 14e jour, d'accord, au premier mois, le 14e jour, donc le mois de Nissan, qui correspondant à entre mars et avril, selon le calendrier juif. D'accord? Donc on dit au 14e jour de ce mois-là, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de Yahweh. Et quand vous allez faire des recherches, parce qu'on va arriver, j'anticipe un peu, sur la célébration de la Pâque par les Juifs, vous allez vous rendre compte que les Juifs n'ont pas célébré la Pâque comme nous. Voilà. Certains chrétiens. Moi, je ne la célèbre pas de façon personnelle parce que le Seigneur m'a éclairé et on ne condamne pas ceux qui la célèbrent, mais l'objectif ici est de pouvoir donner l'explication des choses pour que chacun puisse prendre les décisions dans sa vie en fonction de la connaissance. Vous voyez, quand on a la connaissance, c'est une chose que quand on ne l'a pas. Donc, par rapport à la connaissance que moi j'ai, aujourd'hui, je ne peux pas fêter la Pâque. Voilà, je ne peux pas fêter la Pâque. Donc, justement, au passage, l'émission en direct. Pour ceux qui souhaitent réagir, vous avez le numéro du portable, vous pourrez envoyer vos messages et on répondra directement. Donc c'est le 060 qui s'affiche à votre écran. Vous pourrez envoyer des SMS, soit sur WhatsApp, soit par un SMS normal. Et par la grâce du Seigneur, on essaiera de répondre à votre question en rapport avec l'émission. Donc on voit bien ici que le Seigneur va donner la Pâque et la Pâque devait être célébrée le 14e jour, d'accord, du premier mois. Le 14e jour du premier mois. Et vous allez vous rendre compte que le 14e jour du premier mois ne correspond en rien au 13 avril. Pour ceux qui veulent faire des recherches sur Internet, vous verrez que les Juifs n'ont pas célébré la Pâque comme nous le 13 avril. Le 12 et le 13. Donc aujourd'hui, on est lundi de Pâque. Donc en général, quand la Pâque tombe généralement, je crois, selon le calendrier grégorien, dimanche. Et par la suite. Le lundi qui suit est un jour de repos. Voilà. Donc, on va rester toujours d'abord sur l'origine de la Pâque, selon les Écritures, non selon les dogmes, selon les traditions humaines, selon les traditions que les assemblées, les églises ont mises en place, mais selon les Écritures. Voilà. Ensuite, on verra qu'est-ce que les églises disent, pourquoi elles célèbrent la Pâque, et on verra est-ce que c'est conforme aux Écritures. Donc, vous avez encore, on va prendre un autre passage. On va prendre Deutéronome chapitre 16. On va prendre à partir du verset 1. Deutéronome 16 à partir du premier verset. Deutéronome 16. OK. Observe le mois des épis et fais la Pâque pour Yahweh, ton Elohim. Car c'est au mois des épis que Yahweh, ton Elohim, t'a fait sortir de nuit d'Égypte. Et tu sacrifieras la Pâque pour Yahweh, ton Elohim. Du gros et du menu bétail au lieu que Yahweh choisira pour y faire habiter son nom, c'est-à-dire à Jérusalem. Tu ne mangeras pas de pain levé et tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, parce que tu es sorti précipitamment du pays d'Égypte afin que tous les jours de ta vie, tu te souviennes du jour où tu es sorti d'Égypte. Voilà. Donc ici, le Seigneur dit qu'on ne pourra pas manger justement la Pâque à n'importe quel endroit. Et au verset 5, la Pâque devait être mangée. On va au verset 5. Tu ne pourras pas sacrifier la Pâque dans l'une de tes portes que Yahweh ton Elohim te donne, mais c'est à l'endroit que Yahweh ton Elohim choisira pour y faire habiter son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir, au coucher du soleil, moment où tu es sorti d'Égypte. Tu la cuiras et tu la mangeras dans le lieu que Yahweh ton Elohim aura choisi. Et le matin, tu t'en retourneras et tu t'en iras dans tes tentes. Pendant 6 jours,
Tu mangeras des pains sans levain, et le septième jour, il y aura une assemblée solennelle à Yahweh, ton Elohim, et tu ne feras aucun travail. Voilà. Donc ici, on a bien l'exemple, voilà, de un autre passage, pardon, qui soutient que la Pâque devait être célébrée le 14e jour du premier mois. On va prendre un autre passage dans Josué, au chapitre 5, à partir du verset, on va dire à partir du verset 7. Josué, chapitre 5, à partir du verset 7. On va lire à partir du verset 8. « Et quand on eut achevé de circoncire tout le peuple, ils restèrent dans leur camp jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Et Yahweh dit à Yahushua, Josué, hein, Yahushua c'est Josué, vous voyez que Yahushua, notre Seigneur Jésus et Josué avaient le même nom, et d'ailleurs on ne comprend pas pourquoi volontairement on a décidé de traduire Yahushua par Josué et l'autre Yahushua par Jésus. Bon, bref, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Ainsi, les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les régions arides de Jéricho. Et dès le lendemain de la Pâque, ils mangèrent du blé du pays, des pains sans levain et du grain rôti en ce même jour. Et la manne cessa dès le lendemain de la Pâque. Après qu'ils eurent mangé du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, mais ils mangèrent les récoltes de la terre de Canaan cette année. » Donc là, c'est dans le livre de Josué. Le peuple d'Israël, on sait qu'il y a eu que Josué et Caleb dans la génération qui est sortie d'Égypte parmi les pères qui sont rentrés à Canaan, parce que ben, le Seigneur avait dit que tout ce peuple, les 600 000 hommes qui avaient été dénombrés à l'époque, devaient périr dans le désert à cause de leur incrédulité. On a un autre passage, là on reste toujours dans l'ancienne alliance pour voir, voilà, pour soutenir que la Pâque était célébrée le 14e jour du premier mois. Donc on va prendre Ézéchiel 45 à partir du verset 20. Ézéchiel 45 à partir du verset 20. Frères et sœurs, prenez vos Bibles et vérifiez vous-même ce qui est dit, si ça, c'est conforme à ce qui est dans vos Bibles. J'ai pris la peine de vérifier dans les différentes versions que nous utilisons. Il s'agit de la même chose. Tu en feras ainsi au septième jour du même mois, à cause des hommes qui pêchent involontairement et à cause des hommes simples. Vous ferez ainsi l'appropriation de la maison. Au premier mois, au quatorzième jour du mois, vous aurez la Pâque. Fête qui durera sept jours pendant lesquels on mangera des pains sans levain. Donc ici, on a la confirmation que la Pâque devait se faire au 14e jour. D'accord? Et que elle devait durer sept jours, parce qu'en fait, souvent, on associe la Pâque à la fête des pains sans levain. Vous voyez? Donc on associe souvent les deux. Dans certains passages, vous allez voir, on parle de sept jours, parce qu'elle est associée à la fête des pains sans levain. On va prendre encore un autre passage. Dans 2 Chroniques au chapitre 30, 2 Chroniques chapitre 30, on va lire à partir du verset 15. 2 Chroniques chapitre 30 à partir du verset 15. Puis on immola la Pâque au 14e jour du second mois. Les prêtres et les Lévites pris de honte, s'étaient sanctifiés et avaient amener les holocaustes dans la maison de Yahweh. Ils se tinrent à leur poste selon leur charge d'après la Torah de Moshe, homme d'Élohim, et les prêtres faisaient l'aspersion du sang qu'ils recevaient des mains des Lévites. Car comme beaucoup de gens dans l'assemblée n'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargeaient de l'abattage de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs. Car une grande partie du peuple, la plupart de ceux qu'Éphraïm, d'Éphraïm et de Manaché, des Issachar et des Zébulon ne s'étaient pas purifiés et mangeaient la Pâque contrairement à ce qui est écrit. Mais Yiskia pria pour eux en disant que Yahweh, qui est bon, tienne la procuration pour fête. Donc ici, on a encore, voilà, au verset 15, la preuve que la Pâque était célébrée au 14e jour. Les versets sont nombreux pour soutenir que la Pâque était célébrée le 14e jour. Voilà.
le 14e jour. Alors, on va partir dans la Nouvelle Alliance, hein. On va prendre quelques passages. Et là, on ne nous dit plus le 14e jour, mais au moins, on a des traces qui nous disent que la Pâque était célébrée selon la loi. Voilà. Et on peut prendre Luc chapitre 2. Luc 2. À partir du premier verset. Luc chapitre 2. Non, Luc 2, on va descendre. On va descendre, c'est plus bas. On peut descendre. Allons-y à partir du verset 30, je crois. Ouais, on peut descendre. Encore. Encore. On descend. On descend. On peut descendre. Voilà. Ok, c'est bon. 39, verset 39. Et quand ils eurent accompli tout ce qui est selon la Torah du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, en Nazareth, leur ville. Et le petit enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce d'Élohim était sur lui. Verset 41. Et ses parents allaient tous les ans à Jérusalem à la fête de Pâques. Et lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. Donc quand on dit selon la coutume de la fête, c'est selon la loi. Vous voyez? Donc à l'âge de 12 ans, parce qu'à l'âge de 12 ans, les juifs, les enfants juifs étaient, ils étaient, ils avaient, ils subissaient une forme d'initiation et on les considérait comme adultes. D'accord? Donc c'est pourquoi à l'âge de 12 ans, il était monté avec ses parents à Jérusalem selon la coutume de la fête. Et on va bien voir que pendant la suite de cette fête-là, Yoshua était au temple avec ses parents parce que c'était la coutume. On peut prendre aussi Jean chapitre 11, le verset 55. Jean 11, verset 55. Jean 11, verset 55. Or, la Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque afin de se purifier. Et on nous dit à la suite, verset 56, ils cherchaient donc Yoshua et se disaient les uns aux autres, se tenant là dans le temple, que pensez-vous de ce qu'il ne vient pas à la fête? Or, les principaux prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclarait afin qu'on se saisît de lui. Voilà. Donc, Yoshua aussi célébrait la Pâque parce qu'il était juif et c'était selon la tradition juive, c'est-à-dire selon la Torah, que Yoshua célébrait la Pâque. Donc ici, on a pu voir, frères et sœurs, que la Pâque de Yahweh était célébrée le 14e jour du premier mois, selon les Juifs, entre les deux soirs. Entre les deux soirs. C'était comme ça que les jours étaient comptés chez les Juifs. Les Juifs étaient comptés, la journée était comptée d'un soir à un soir et non d'une journée à une journée comme nous nous comptons. Et le problème, c'est ça, c'est que nous, en tant que chrétiens, en tant que nation, nous lisons souvent les Écritures en fonction de notre culture au lieu de se référer à la culture des Juifs. Vous savez, la Bible dit que le salut vient des Juifs. Ça veut dire que si on veut comprendre les Écritures, si on veut comprendre pourquoi le Seigneur a donné telle ou telle ordonnance, on doit se référer aux Écritures. Vous voyez? La Bible nous fait comprendre que le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Alors, il y a un article qu'on a préparé, l'article sur Wikipédia. Si on peut l'afficher, on va le lire pour les frères et sœurs qui nous suivent. Voilà, si on peut légèrement agrandir pour que les uns, ceux qui sont à la maison puissent bien voir. Voilà, encore un peu. Voilà. Alors, l'article, ce n'est pas nous qui l'avons rédigé, c'est un article qui est sur Internet. Et il y a plusieurs autres articles, voilà, qui soutiennent cet article. Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Alors, il faut définir le christianisme, ça c'est l'auteur qui a écrit. Elle commémore la résurrection de Jésus que le Nouveau Testament situe le surlendemain de la Passion. Alors, voilà le premier détail que nous avons. On nous dit que Pâques, avec S, est la fête la plus importante du christianisme. Donc, ce n'est pas la fête la plus importante des Juifs. Et ici, le christianisme, on dit, est une religion. Alors, si on peut se mettre sur le 1, là, le 1, juste pour avoir le détail. Voilà, le christianisme sur le 1. Alors, si on peut remonter. Si on peut remonter. On peut remonter totalement.
On a perdu l'article. Voilà. Si on se met juste en surbrillant sur le 1, en fait, on a la définition. Si on passe juste le curseur, voilà. Le christianisme est une religion abrahamique originaire du Proche-Orient fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Bref, on en reviendra. Elle commémore, on peut dire la suite, elle commémore la résurrection de Jésus que le Nouveau Testament situe le surlendemain de la Passion, c'est-à-dire le troisième jour. Or, nous savons, nous avons lu les Écritures, que la Pâque vient de Pessah, qui veut dire passer outre, qui est la fête qui a été instituée selon le Seigneur, selon Yahweh dans Exode 12, pour la délivrance du peuple d'Israël. Et on a lu, si on peut reprendre Exode 12, si on peut reprendre Exode 12, Exode 12, si on peut reprendre à partir du le verset 30 là-bas, Exode chapitre 12, Exode 12, voilà, on peut descendre. Alors, voilà, on remonte légèrement. On remonte au verset 27. Voilà. Alors vous répondrez, on remonte légèrement au 26 pour qu'on comprenne mieux. Et quand vos fils vous diront, que signifie pour vous ces services, donc le service de la Pâque, alors vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque pour Yahweh qui passa en Égypte par-dessus les maisons des enfants d'Israël quand il frappa l'Égypte et qu'il préserva nos maisons. Alors le peuple s'inclina et se prosterna. Donc d'où vient justement cette tradition, cette culture, justement où le christianisme a commencé à célébrer la Pâque comme étant la résurrection de Christ. Ben, elle vient simplement de l'Église romaine. L'Église romaine. Alors, l'Église romaine, pourquoi l'Église romaine? Ben, l'Église romaine, c'est une Église européenne qui est née à Rome, qui n'a rien à voir avec l'Église qui est née dans Actes chapitre 2. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pourquoi aujourd'hui le monde est dans une confusion totale parce que nous croyons que l'Église romaine est l'Église que Yeshua a engendrée. Quand la Bible nous dit que le Seigneur dit dans Joël 2 que dans les derniers temps je répandrai de mon esprit sur toute chair et que cette Église a été engendrée quand le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 16 que je bâtirai mon Église, ce n'est pas l'Église romaine. Ce n'est pas l'Église romaine. Non. C'est l'Église composée des Juifs d'abord, et ensuite à laquelle les nations ont été greffées. Donc on va prendre Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, pour qu'on puisse bien comprendre, parce que le problème c'est que nous les Africains, avec ce qui s'est passé durant la colonisation, ben, on nous a amené l'Église romaine. Et c'est pourquoi d'ailleurs on comprend pourquoi beaucoup d'Africains, beaucoup de Gabonais refusent de se convertir parce qu'ils estiment que l'évangile a été utilisé à des fins de manipulation. Ce qui n'est pas faux, c'est la vérité. On a utilisé l'évangile pour manipuler les hommes et les femmes africains. Sauf que ce n'est pas l'évangile qui vient, d'accord, de Yeshua qui a été utilisé. C'est-à-dire l'interprétation qui en a été faite est une interprétation dans le but de manipuler les gens. Mais l'Église telle qu'elle a été créée par le Seigneur, elle vient des Juifs et cette Église est née dans Actes chapitre 2, elle est née à Jérusalem, elle n'est pas née à Rome. Donc quand aujourd'hui on nous dit qu'il y a un souverain qui est à Rome, qui est le chef de l'Église, on ne comprend pas pourquoi. Le chef de l'Église, s'il fallait un chef, parce que le chef de l'Église, selon la Bible, c'est Christ. Christ nous dit que Christ est le chef de l'Église, il est la tête du corps, d'accord? Et que tout le corps tire de lui. D'accord? La force et les liens sont assemblés en lui. D'accord? S'il fallait avoir un chef de façon humaine par rapport à l'Église, sur l'Église, en fait, ce chef devait être à Jérusalem. Il devait être juif. Il ne devait pas être européen. D'où vient, d'accord, cette influence? Ben, elle vient simplement des conquêtes. Elle vient des conquêtes, elle vient de Babylone, elle vient de Satan, parce que, justement, durant les conquêtes, vous pouvez bien voir que les Romains avaient assiégé les Juifs. D'accord. Donc, Actes chapitre 2. Acte 2. Or, comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans le même lieu. Et soudainement, il vient du ciel un bruit comme le vent qui souffle
avec violence et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils virent paraître comme des langues de feu qui se divisèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs qui y séjournaient, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et après que ce son eut lieu, la multitude vint ensemble et fut confondue de ce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous surpris et dans l'admiration en disant les uns aux autres. Voici tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens, c'est-à-dire juifs? La Galilée, c'est en Jérusalem, en Israël. Et comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue du pays où nous sommes nés? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye qui est près de Cyrène, et tous ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Voilà. Donc, il y a des juifs et des prosélytes, et les prosélytes, c'était des personnes, des nations qui avaient adhéré au judaïsme. Vous voyez? Mais l'Église est née à Jérusalem, l'Église n'est pas née à Rome. L'Église est née à Jérusalem. Et quand on prend Éphésiens 2:20, on va le lire, frères et sœurs, vraiment, qu'on comprenne qu'il y a beaucoup d'influences étrangères, beaucoup d'influences paganisées qui sont venues pour venir rentrer dans l'Église et justement nous amener à célébrer des choses qui ne sont pas du Seigneur. Donc, Éphésiens 2:20, ayant été, on va remonter un peu plus, on va remonter, on va lire à partir du verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints, membres de la famille d'Élohim, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Yahushua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. Ici, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui écrit aux Éphésiens. Les Éphésiens, selon les Écritures, sont considérés comme des nations, c'est-à-dire des non-juifs, qui avaient cru en Yahushua, en Jésus-Christ, et qui s'étaient convertis, comme nous, aujourd'hui, nous le sommes, et qui faisaient partie de l'Église. Et Paul fait comprendre à ces chrétiens-là que votre foi, d'accord, et l'Église, est bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et ces apôtres-là, ce sont les premiers apôtres qui ont reçu le fondement de l'Église. Vous voyez, les apôtres de l'agneau, dont Paul a eu la grâce de faire partie. Donc, ce n'est pas l'Église romaine qui a reçu le fondement de l'Église. Donc, tout ce que l'Église romaine a inventé par la suite n'a rien à voir avec les Écritures. Vous voyez? Et vous allez vous rendre compte que dans toute la Nouvelle Alliance, que certaines personnes appellent le Nouveau Testament, ce qui n'est pas correct, parce que ce n'est pas un testament, c'est une alliance. D'accord? Il a dit dans Matthieu 26 que ceci est le sang de l'alliance. C'est une alliance. Il y a eu une première alliance avec Moïse, d'accord, au Mont Sinaï, et il y a eu la nouvelle alliance avec Yahushua, d'accord, qui a pris effet à la mort, quand il est mort à la croix, par son sang. Or, toutes les alliances, selon Hébreux nous enseigne que toutes les alliances sont scellées par le sang. Donc, c'est une alliance, ce n'est pas un testament. D'accord? Parce qu'un testament ne peut pas avoir d'effet tant que la personne est vivante. Vous voyez? Ce n'est pas un testament. Ce n'est pas un testament. Or, Yahushua est toujours vivant. En tant que Elohim, il est vivant en tant que Dieu. Donc, on nous fait comprendre ici que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Yahushua, Jésus-Christ, étant lui-même la pierre angulaire. Vous voyez, donc on comprend bien que cette Pâque-là, chrétienne, telle qu'elle est là, elle n'est pas à l'image de ce que la Bible enseigne. On peut revenir sur l'article, on va continuer légèrement la lecture. Donc vous pouvez envoyer vos questions, si vous avez des questions, par SMS, et on pourra les prendre. Alors, on va lire plus bas, la date de Pâque, avec S, donc c'est la date de la Pâque, selon les chrétiens, avec l'influence de l'Église romaine, la date de Pâques est fixée au premier dimanche après la première pleine lune qui suit le 21 mars. Donc,
au plus tôt le 22 mars, si la pleine lune tombe le soir du 21 et au plus tard le 25 avril, il ne s'agit pas de la lune observée, mais d'une lune dite ecclésiastique, méthode de calcul traditionnelle, approchée. Les églises occidentales ayant adopté à la fois la réforme grégorienne du calendrier et une correction concomitante pour le cycle lunaire, ont souvent un jour de célébration différent de celui des églises orthodoxes. Alors, vous savez, aujourd'hui, on est basé sur le calendrier grégorien. Et avant le calendrier grégorien, on avait notre calendrier, j'ai juste oublié le nom. Grégoire était un pape, d'accord, donc il appartenait à l'église romaine, était un pape, et c'est ce pape-là qui a fait adopter le calendrier que nous utilisons aujourd'hui. Et sur la base de ce calendrier-là, des dates ont été modifiées, ils se sont arrangés à ce que la Pâque dite chrétienne, qui n'a rien à voir avec la Pâque que le Seigneur lui-même a instituée, mais qui est une tradition inventée par les hommes, d'accord, puisse tomber, selon le calendrier, au mois d'avril et qu'elle soit au plus tard le 22 avril. Vous voyez? Donc, on peut revenir sur l'article, parce qu'il y a vraiment plein de trucs intéressants là-dedans. Alors, on nous dit, certaines églises chrétiennes choisissent de pratiquer la Pâque quarto-décimaine en concordance avec la Pâque juive. Donc ça, c'est certaines églises. On peut descendre un peu plus bas, pas aller plus bas dans l'article. Est-ce qu'on peut descendre? Voilà, quelques légers soucis techniques, mais ça va venir en tout cas. Si on peut descendre encore plus bas dans l'article, on est toujours au même endroit. Alors, je pense qu'on doit avoir un souci avec la technique, mais ça va venir, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Donc, on vous expliquait, frères et sœurs, que la Pâque, telle qu'elle est célébrée aujourd'hui dans les églises, n'a rien à voir avec la Pâque que le Seigneur avait donnée. Rien à voir. Elle n'a rien à voir avec la Pâque que le Seigneur avait donné. Alors, certaines églises, dès que c'est bon, l'équipe technique, vous pouvez ramener l'article, hein, dès que c'est bon, comme ça je saurai. Certaines personnes, justement, ont justifié en disant que la Pâque, qui est célébrée dans le christianisme, est une Pâque qui est en rapport avec la résurrection de Christ, en disant que Christ est ressuscité un dimanche, ce qui est faux. Christ n'est pas ressuscité le dimanche, frères et sœurs. Il n'est pas ressuscité un dimanche. C'est faux. Jésus n'est pas ressuscité un dimanche. Pas du tout. Vous voyez? Jésus n'est pas ressuscité un dimanche. Pas du tout. Donc ça, c'est l'objet d'un autre enseignement. On ne va pas vouloir vous charger avec. C'est tout un enseignement pour que les uns et les autres puissent comprendre. D'ailleurs, avec l'équipe technique, on va vous afficher la date. Aujourd'hui, on va mettre une annonce pour fixer la date où on fera un enseignement spécial là-dessus par rapport à la date, à la mort de Christ et à sa résurrection. Voilà, parce que, je vous rassure, frères et sœurs, le problème avec nous, les chrétiens, c'est que nous ne sommes pas comme les chrétiens de Béret. Ouais, la Bible nous dit dans Actes 11 que les chrétiens de Béret prenaient la peine de vérifier tout ce que Paul leur disait pour voir si c'était conforme aux Écritures. Et quand on dit conforme aux Écritures, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous oublions, chrétiens des nations, nous oublions que la Bible que nous avons entre les mains n'a pas été écrite en français à l'origine, elle a été traduite. Et donc, les personnes qui ont traduit ont des influences culturelles, d'accord, religieuses, qui ont influencé leur approche de l'Écriture. Vous voyez? D'où il est important, premièrement, déjà de comparer avec les différentes versions. Et par rapport à ça, de repartir parfois, faire des recherches pour vous rendre compte que vous pouvez essayer de constater s'il y a autre chose. Ouais. Est-ce qu'on peut descendre maintenant sur l'article? Est-ce que ça marche? Très bien. Vous allez vous rendre compte qu'il faut faire des recherches. Il faut faire des recherches. Alors, on va aller là. Il y a quelque chose qui est intéressant. On descend. Le pluriel de Pâques. Alors, montez légèrement. Voilà, juste là, le pluriel de Pâques. Le pluriel de Pâques ne fait pas référence à la pluralité des dates. La langue française distingue en effet la Pâque juive, ou Pessa, qui veut dire passer outre, et la fête chrétienne de Pâques avec S. La première commémore la sortie d'Égypte,
Ce n'est pas moi, je n'ai pas inventé, on l'a lu dans les Écritures. L'auteur ici, qui n'est certainement pas un chrétien, le dit. Et la liberté retrouvée des enfants d'Israël, la fête chrétienne, elle multiple. Elle commémore à la fois la dernière scène instituant l'Eucharistie. On ne sait pas ce que c'est encore, c'est une invention de l'Église romaine. La passion du Christ et sa résurrection. On ne sait pas pourquoi cette Pâque-là serait la résurrection du Christ. Alors que Christ a mangé la Pâque, on va le voir, il a mangé la Pâque avant sa mort et elle était concordante quasiment avec la Pâque juive. C'est seulement après le 15e siècle que la distinction sémantique a été marquée par la graphie entre Pâque ou Pâque, en désignant la fête juive, et Pasques ou Pâque, désignant la fête chrétienne. Vous voyez? Donc, il y a un souci. On a vraiment un souci. Il y a vraiment un souci. Cette Pâque-là n'a vraiment rien à voir avec la Pâque selon le Seigneur. Alors, si on peut passer au second onglet, là, l'onglet qui suit juste après, il y a aussi des choses intéressantes là-bas qui sont dites. Alors, ça, c'est un article de l'Église romaine. Que fête-t-on à Pâques? C'est la question. Donc, vous voyez le titre, c'est un site de l'Église romaine, hein? La fête de Pâques, selon eux, est la plus importante pour les chrétiens. Elle célèbre la résurrection du Christ. Donc, ils le confirment. L'auteur de l'article sur Wikipédia qu'on a lu ne l'a pas inventé. Sa victoire sur la mort, qui est l'élément central de la loi chrétienne, elle est la fête chrétienne la plus ancienne et la fête centrale de l'année liturgique. Ça ne veut rien dire selon les Écritures. C'est encore des inventions humaines. La célébration de la fête de Pâques est l'occasion pour les chrétiens de renouveler leur profession de foi baptismale. Ok, on ne comprend pas pourquoi baptismale, qui doit avoir un lien avec le baptême. Voilà, comme si la nouvelle naissance était marquée par le baptême. Encore une hérésie. C'est la raison pour laquelle les adultes demandent le baptême, les catéchumènes sont baptisés dans leur paroisse pendant la vigile pascale. Le cierge pascal symbole de la présence du Christ est alors allumé et brillera du dimanche de Pâques à celui de Pentecôte. Vraiment, ce ne sont que des inventions humaines. Humaines. Alors, le prochain onglet, juste pour que vous voyez, frères et sœurs, d'où on vient, d'où l'Église vient. Et n'oublions pas une chose. Les églises dites de réveil, dans lesquelles beaucoup d'entre nous sont nés dans la vie chrétienne, ont été engendrés par le Seigneur, nous bénissons ces assemblées, hein, on ne dit pas que c'est mauvais, mais n'oublions pas que la plupart de ces assemblées, nous sommes tous sortis du catholicisme. Nous avons été conçus dans l'utérus du catholicisme, dans l'Église romaine, qui n'est pas l'Église juive. Alors, pourquoi on préfère désormais faire l'effort d'utiliser le mot Église romaine? Parce que l'Église romaine n'est pas l'Église juive. Vous voyez? Elle n'a rien à voir. C'est pourquoi quand les chrétiens juifs regardent comment nous, les nations qui avons décidé de suivre les dogmes, les règles qui ont été fixées par l'Église romaine, ben, ils ne se retrouvent pas dans notre christianisme. Ça n'a rien à voir avec ce que Yoshua leur a laissé dans les Écritures. Eux qui ont la connaissance historique, traditionnelle, et en plus qui ont la grâce de lire les Écritures dans la langue d'origine, ben, quand ils voient comment nous pratiquons ces choses, ils sont surpris. D'accord? Ils sont vraiment surpris. Donc le prochain texte. Le jour de Pâques a été fixé lors du concile de Nicée, aujourd'hui İznik en Turquie, en 325. Donc c'est pendant le concile de Nicée que le jour de la Pâque a été fixé. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. Ce sont des hommes qui se sont assis et qui ont décidé de célébrer cette fête. Elle n'a rien à voir, frères et sœurs, réveillez-vous, chrétiens. Elle n'a rien à voir avec les dates, avec la date, le 14e jour du premier mois que le Seigneur avait donné. Le jour de Pâques a lieu le premier dimanche après la pleine lune qui suit le 21 mars. Pourquoi la pleine lune? À l'origine, la Pâque est fixée par les Juifs au 15 du mois de Nissan. Les mois commençant le jour de la nouvelle lune, le 15 du mois correspond alors à la pleine lune. Pourquoi le 21 mars? En fait, l'équinoxe de printemps était fixé à l'origine dans le calendrier julien. Voilà, c'était le calendrier julien dont je cherchais le nom. Établi sous Jules César, le 25 mars, le jour du solstice d'hiver, a alors lieu le 25 décembre qui deviendra Noël.
Donc, regardez, même par rapport à Noël, vous avez des informations là. Mais à l'époque du concile de Nicée en 325, on observe que l'équinoxe tombe le 21 mars. La différence de 4 jours s'explique par l'erreur du calendrier julien qui sera corrigée avec l'adoption du calendrier grégorien. L'équinoxe tombe en effet à la fin du Moyen Âge le 11 mars. En réalité, le jour de l'équinoxe varie et peut avoir aussi lieu un 20 mars ou un 22 mars. En 2020, l'équinoxe de printemps a lieu le 20 mars. La première pleine lune le 8 avril et Pâques le dimanche 12 avril 2020. Vous voyez? On lit la suite. Pour l'Église orthodoxe, le calcul est différent. Elle n'a pas reconnu la réforme du calendrier proposée par le pape Grégoire XIV. C'est 14, Grégoire XIII, pardon. Parce que 14, c'est XV. D'où le nom du calendrier grégorien en 1582. Il y avait alors un décalage de 10 jours à cette époque qui s'est accru. Il est aujourd'hui de 13 jours. Ce décalage est toujours en vigueur pour calculer la date de Pâques pour la célébration de Noël. C'est différent. Les orthodoxes russes ont conservé ce décalage et célèbrent Noël le 7 janvier, alors que les orthodoxes grecs fêtent Noël comme les occidentaux le 25 décembre. L'Église orthodoxe célèbre Pâques le dimanche 19 avril. Quelle confusion! Comment voulez-vous que les juifs puissent suivre, quand on va évangéliser un juif, comment voulez-vous qu'un juif puisse accepter de suivre de telles hérésies? Comment voulez-vous que quelqu'un qui s'est converti à l'islam puisse accepter de suivre de telles hérésies? Tellement il y a la confusion. Une confusion généralisée. Ben, c'est dû à quoi? Ben, c'est dû au monde. C'est dû au monde. C'est dû au monde. C'est dû au monde. Le monde qui rentre dans l'Église, qui amène les traditions. Merci Seigneur. On va lire Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, à partir du premier verset. Matthieu chapitre 15. Alors les scribes et les pharisiens viennent de Jérusalem auprès de Yoshua en disant, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent du pain? On n'est pas en train de dire aux chrétiens de ne pas se laver les mains pendant le temps du coronavirus, hein, l'épidémie. Il faut se laver les mains. Ce n'est pas sans enseignement. Mais il leur répondit et dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim à cause de votre tradition? Car Élohim a commandé, disant, honore ton père et ta mère. Et il a dit aussi, celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. Mais vous vous dites, si quelqu'un a dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est une offrande à Élohim, il n'a pas du tout à honorer son père. Et vous avez annulé le commandement d'Élohim à cause de votre tradition. Hypocrite, Yeshaya, c'est-à-dire Ésaïe, a bien prophétisé sur vous en disant, ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Mais il m'adore en vain en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements humains. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de commandements humains qui sont enseignés dans l'Église, notamment la Pâque chrétienne. Et beaucoup de chrétiens, sans se rendre compte, ben, célèbrent ces choses. Nous ne sommes pas là pour vous condamner, frères et sœurs. Lorsque le Seigneur permet qu'on soit éclairé sur ces choses, qu'on puisse éclairer les frères et sœurs, on doit le faire, parce que le Seigneur va nous demander des comptes. Les chrétiens n'ont pas l'obligation de célébrer la Pâque. Pas du tout. On va prendre un autre passage. D'abord, on va revenir, avant de prendre ce passage-là, on va prendre Galates après, mais on va d'abord prendre un autre passage. Prenons Matthieu chapitre 26, à partir du premier verset, je crois. Matthieu 26. Matthieu chapitre 26. Donc, nous sommes en direct. Vous pouvez envoyer vos questions. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez envoyer vos questions par SMS au numéro qui s'affiche à l'écran. Et il arriva que quand Yoshua eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux prêtres,
les scribes et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre appelé Caïpha, Caïphe dans d'autres versions. Et ils tinrent conseil ensemble pour se saisir de Yahushua par ruse afin de le faire mourir. Mais ils dirent, que ce ne soit pas pendant la fête, de peur qu'il ne se fasse quelque tumulte parmi le peuple. Donc ici, on voit bien que la fête des Juifs était proche et que Yahushua devait être crucifié. On va descendre. On peut aller plus bas. On descend. Voilà. Voilà, à partir du verset 26. Non, on va remonter d'abord pour que les frères et sœurs puissent mieux cerner le contexte. Bon, on remonte encore. Voilà là. Or, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'approchèrent de Yahushua pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Et il dit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le docteur dit, mon temps est proche, je ferai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Et les disciples firent comme Yahushua le leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Et quand le soir fut venu, il se mit à table avec les 12. Et comme il mangeait, il dit, « Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun d'eux commença à lui dire, « Seigneur, est-ce moi ?» Mais il leur répondit et dit, « Celui qui trempe sa main dans le plat avec moi, celui-là me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qu'il est écrit de lui, mais malheur à cet homme par le moins de qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Et Yahoua, qui le livrait, prit la parole et dit, « Rabbi, est-ce moi ?» Et lui dit, « Tu l'as dit. » Verset 26. « Mais pendant qu'il mangeait, Yahoua prit du pain, et ayant prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Et ayant pris la coupe, il rendit grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Or, je vous dis que depuis cette heure, je ne boirai pas de ce fruit de vigne jusqu'à ce jour-là, quand je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alléluia. Vous voyez, on peut prendre un autre passage. Marc chapitre 14, je crois, qui en parle. Or, deux jours après, c'était la Pâque et les pains sans levain. Et les principaux prêtres et les scribes cherchaient comment se saisir de lui avec habileté le tuer. Mais ils se disaient, non, pas pendant la fête, de peur qu'il n'y ait un tumulte. Donc, vous avez la même histoire. Vous avez la même histoire dans Jean 18. Vous voyez? Donc, frère, la Pâque, c'est la mort de Christ. Ce n'est pas sa résurrection. Donc, si on devait fêter la Pâque, chose qu'on ne doit pas fêter, d'accord? On ne condamne pas, on instruit, et puis chacun est libre, il fait comme il veut, chacun de nous sera jugé devant le Seigneur. Si on devait fêter la Pâque, on ne devait pas fêter la résurrection de Christ. On devait fêter sa mort. On devait fêter sa mort et non sa résurrection. Parce que Christ n'est pas ressuscité pendant la Pâque juive. Il n'est pas ressuscité pendant la Pâque juive. Amen. Donc, on va prendre un passage dans Galates. Galates chapitre 4. Alléluia. On espère vraiment que vous êtes encouragés, bénis par la grâce du Seigneur. Mais aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le Seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs et des gestionnaires jusqu'au temps déterminé par le Père. Nous aussi, de la même manière, quand nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son fils venu d'une femme, venu sous la Torah, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la Torah, afin que nous recevions l'adoption. Mais parce que vous êtes fils, Elohim a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs, criant Abba Père. Maintenant donc tu n'es plus esclave, mais fils. Or si tu es fils, tu es aussi héritier d'Elohim par le moyen du Mashiach. Mais alors, ne connaissant pas Elohim,
Vous étiez en effet esclaves des Elohim qui ne le sont pas de leur nature. Mais maintenant que vous avez connu Elohim, ou plutôt que vous avez été connu d'Elohim, comment retournez-vous encore à ces faibles et pauvres rudiments et vouloir, comme auparavant, en être esclaves? Verset 10. Vous observez attentivement les jours, les mois et les temps et les années. Je crains pour vous d'avoir travaillé en vain parmi vous. Soyez comme moi, car je suis moi-même comme vous, frères. Je vous en supplie. Vous m'avez fait aucun tort, mais vous savez que je fus à cause d'une infirmité de cela, de la chair, que je vous ai pour la première fois évangélisé. Donc ici, c'est Paul qui parle aux Corinthes et qui va leur dire qui vous a ensorcelé au chapitre 3. Parce que les Galates avaient été ensorcelés et les Galates avaient été amenés à pouvoir observer les jours, les mois et les années, à observer la loi de Moïse. Et vous allez vous rendre compte quand vous lisez Galates au chapitre 2, vraiment, on va aller au chapitre 2 de Galates. On va bientôt terminer. Galates au chapitre 2. À partir du premier verset. Raison pour laquelle 14 ans après, je montais à nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris avec moi Titos. Et ce fut d'après une révélation que je montais et je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les nations, en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Titos, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire. Mais à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Yeshua Mashiach, afin de nous réduire en esclavage, mais nous n'avons pas cédé à un seul instant à cela. Et nous ne nous sommes pas soumis afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi nous. Mais de la part de ceux qui sont les plus estimés, ce qu'ils étaient autrefois m'importe. Elohim n'a pas égard à l'apparence extérieure de l'homme. Car ceux qui sont en estime ne m'ont rien communiqué. Mais au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour l'incirconcision, comme à Pétros pour la circoncision, car celui qui agit puissamment en Pétros pour l'apostolat de la circoncision a aussi agi puissamment en moi pour les nations, et Jacob et Kephas et Johanan, qui paraissaient être des colonnes, ayant reconnu la grâce que j'avais reçue, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous vers les nations et eux vers la circoncision. Frères, vous voyez ici au début du passage qu'il y avait des faux frères, et vous pouvez lire le parallèle dans Actes chapitre 15, il va y avoir un concile à Jérusalem, d'accord, pour régler la question justement de ces faux frères qui vont venir à Jérusalem, à Galatie, pour enseigner qu'il fallait que les frères se soumettent à la loi de Moïse. Or, en tant que disciples, nous ne sommes plus sous la loi. Romains 10, 4 nous dit que Christ est la fin de la loi et la justification pour le salut de quiconque croit. Vous voyez? Donc, nous ne sommes plus sous la loi. N'étant plus sous la loi, nous ne devons plus célébrer les fêtes qui sont en rapport avec la loi, notamment la Pâque. La Pâque faisait partie des sept fêtes de Yahweh et la Bible nous fait comprendre dans le livre de Galates que ces fêtes-là, c'était l'ombre. Mais la réalité, c'est Christ. Christ est mort et il a accompli la Pâque pour nous. C'est pourquoi il a dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Je suis venu réaliser. Accomplir, c'est réaliser. C'est aussi un synonyme. Est-ce qu'on peut nous chercher un synonyme, des synonymes du verbe accomplir? Et on va afficher ça à l'écran. S'il vous plaît, l'équipe technique. Parce que c'est ça notre rôle. En tant que prédicateur, nous devons aider les frères et sœurs à comprendre la vérité. Un synonyme du verbe accomplir. Des synonymes. Si on peut trouver plusieurs synonymes sur un dictionnaire. Synonyme du verbe accomplir. Ça va arriver le temps que l'équipe technique comprenne. Voilà. Voilà, mettre à exécution. Voilà, synonyme. Vous avez achevé. C'est un synonyme. Vous avez aussi mettre en exécution, effectuer, exécuter, réaliser. Vous voyez, c'est ça, accomplir. Donc, quand la Bible dit que le Seigneur est venu accomplir, il est venu achever. Il est venu exécuter la Pâque. C'est fini, c'est lui la Pâque. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5.
à partir du verset 7. On va lire à partir du verset 6 pour mieux cerner. 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 6. Il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car Machia, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de méchanceté et de malice, mais avec des pains sans levain de la sincérité et de la vérité, c'est-à-dire dans la sainteté. La Pâque, pour nous aujourd'hui, c'est être dans la sainteté. C'est ça la Pâque pour nous. Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est fini. On n'a plus à célébrer la Pâque, parce que quand on célèbre la Pâque comme ça, en tant que fête, ben c'est comme si on célébrait, on ramenait Christ à la croix. Vous voyez, frères et sœurs, ce n'est pas l'essentiel pour nous, en tant que chrétiens, de célébrer la Pâque. Alléluia. Ce n'est pas essentiel. On va prendre un dernier passage, Actes chapitre 20. Acte 20. À partir du verset 17. Acte 20 à partir du verset 17. Mais de Milet, il envoya appeler à Éphèse les anciens de l'assemblée. Donc, on revient encore à Éphèse, qui est une église païenne, donc des nations comme nous, au Gabon. Or, et lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous dès le premier jour où j'ai mis le pied en Asie, étant esclave du Seigneur en toute humilité et avec beaucoup de larmes et de tentations qui me sont arrivées par les complots des Juifs. Comment je ne vous ai rien caché des conseils qui étaient utiles, ne manquant pas de vous les annoncer et de vous les enseigner publiquement et dans les maisons, rendant témoignage tant aux Juifs qu'aux Grecs de la repentance envers Elohim et la foi en Yahushua, Machia, notre Seigneur. » Vous voyez, donc on remonte au verset 20. Comment je ne vous ai rien caché des choses qui étaient utiles. Je ne vous ai rien caché des choses qui vous étaient utiles. Dans d'autres versions, d'accord? Si on change de version, si vous voyez là, c'est marqué BYM, si vous changez de version, on peut prendre la version seconde par exemple. Vous allez voir la version seconde. Voilà. Voilà. Verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse des anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez que de quelle manière, depuis le premier jour où je suis arrivé en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ces qui vous étaient utiles et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Frère, Paul dit qu'il n'a rien caché de ce qui nous était utile. Il a tout enseigné. Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Paul le dit. Paul n'a pas enseigné la Pâque. Paul n'a pas enseigné les chrétiens à servir la Pâque. Au contraire, dans Galates 4, comme on l'a lu, Paul dit aux chrétiens de Galatie que pourquoi vous observez encore les jours, les mois et les années, vous avez été ensorcelés, il craint d'avoir travaillé en vain. Vous voyez, frères et sœurs, nous ne devons plus célébrer la Pâque. Nous devons simplement nous efforcer de vivre dans la sainteté, dans la sanctification, sachant que Yahushua revient. Donc voilà, c'était notre partage par rapport à la Pâque. En résumé, on comprend que la Pâque est une fête juive, elle n'est pas une fête de l'Église romaine, elle n'est pas une fête de l'Église, des églises dites de réveil, elle n'est pas une fête des églises dites charismatiques, non. C'est une fête juive qui a été donnée aux Juifs. D'accord. Et d'ailleurs, on l'a pas lu, mais je le dis, les Juifs, pour qu'un incirconcis puisse célébrer la Pâque juive telle qu'elle a été donnée par le Seigneur, il devait se faire circoncire. Vous voyez? Or, aujourd'hui, on sait que la circoncision n'est plus obligatoire parce que Christ est mort à la croix. Vous voyez? Donc, nous ne sommes plus soumis à la loi. Selon Romains 10, 4, la loi est terminée. Nous sommes libérés.
Donc voilà, frères et sœurs, nous n'avons plus à célébrer la Pâque. Nous devons simplement nous sanctifier chaque jour parce que toutes ces traditions que nous observons finissent par nous éloigner du Seigneur. Et en plus, dans les assemblées, au lieu que les uns et les autres puissent passer ces jours fériés-là qu'on a la grâce d'avoir avec leur famille, ils vont passer des journées dans les églises, loin de leur famille, les femmes loin de leurs maris, les maris loin de leurs femmes, les enfants loin de leurs parents. Et en plus, les chrétiens sont encore spoliés pendant ces jours parce que même pour une telle fête, on va encore leur demander des offrandes, on va leur demander des dîmes encore pour les spolier. Voilà. Certes qu'il y a des pasteurs qui sont sincères, qui sont fidèles au Seigneur, qui prennent ces dîmes et qui font des choses avec, mais on sait que beaucoup d'entre eux le prennent, c'est simplement pour leurs propres besoins, pour vivre avec, alors que la Bible nous dit que Paul travaillait. Selon Actes chapitre 20, on le lit, et dans d'autres passages. Voilà. Et dans Actes 17, on nous dit que Paul aussi était faiseur de tentes. Voilà, frères et sœurs, la Bible nous dit « Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. » Donc, ne célébrons plus la Pâque. Aimons le Seigneur, sanctifions-nous, arrêtons la religion, n'annulons plus la parole de Dieu au profit des traditions de l'Église romaine que nous avons récupérées dans nos églises dites de réveil, mais au contraire, sanctifions-nous et éloignons-nous chaque jour des choses qui n'appartiennent pas au Seigneur. Donc, soyez bénis. On va mettre une annonce sur notre site internet www.reveil-tv.org. On mettra une annonce pour l'émission sur la mort et la résurrection de Christ. Est-ce que Christ est mort le dimanche? Ce sera le thème. D'accord? Est-ce que Christ est ressuscité un dimanche? Ce sera la question. On aura l'occasion d'apporter les preuves que Christ n'est pas ressuscité un dimanche, ce qui est faux. C'est pourquoi, justement, il y a cette doctrine-là qui dit que dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est faux. Parce que le jour du Seigneur, c'était le Shabbat, le samedi, et non le dimanche. Donc, rien que sur la base de cet argument, le dimanche ne peut pas être le jour du Seigneur. Si on prend le deuxième argument, que Christ est ressuscité un dimanche, selon les Écritures, on peut prouver facilement que Christ n'est pas ressuscité le dimanche, en prenant n'importe quelle version de la Bible. Voilà. Et on fera une émission sur ça. On mettra la date sur le site internet et il y aura une annonce qui passera aussi de façon régulière à la télé. Donc soyez bénis, que le Seigneur vous garde. Bon lundi 13 avril et que le Seigneur vous garde dans vos maisons avec vos familles. Soyez bénis. Bonne journée.